ministère, son compte fonds de gestion collectivité territoriale, là, bien, nous émettons deux chèques. Et ça, c'est notre prérogative habituelle, nous, qui c'est participation ministère, contribution à fête patronale. Et là-dedans, c'est des montants qui fixent par section communale. C'est section communale Citronnier, dans Léogane, et Maribaou, dans Wanamet. Côté, pour chèque, ça y a un montant de 50 000 gourdes respectivement qui fait. Eh bien, nous constatons que sous même numéro chèque ça, sous même numéro chèque là, il y a l'autre montant qui sorti, effectivement, avec signature nous et signature comptable public là. Dans le dossier nous dans le ministère, par aucune traçabilité de transaction ça, nous ne reconnaissons pas transaction ça. Maintenant, on peut comprendre que il va de soi que son gros cas de fraude et de réseau, parce que forcément, au moins, faut qu'il touche quand même des mondes dans le ministère, faut que le ministère finance touche, faut que BRH touche, etc., 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 etc. De toutes les façons, j'aime qu'à dire, enquête là très avancée, en pile disposition administrative conservatoire qui prend, en pile mesure monde qui commence, bon, dit plutôt que enquête là en cours, dans jour qu'a venir, certainement le enquête là fini abouti etc. Nous mettons main sur tout réseau ça, certainement m'a revenir devant nous pour venir nous faire un point de presse et expliquer nous dans les détails ce qui passé. Ça qui est grave là, bon dernier chèque, troisième chèque là. Jusqu'à présent, il y a un dossier nous la caille, il est vierge, il n'est pas jamais utilisé par le ministère. Et c'est lui-même, contrairement à sa correspondance capsiculaire, côté nous voyons que c'est 1,2 million de gouttes liées. Ce n'est pas 1,2 million de gouttes liées, c'est 12,1 million de gouttes liées. Ce troisième chèque là. Donc si vous m'expliquez nous que l'ampleur, fraude là, est très grave. On a parlé de plus de 19 millions de gouttes de fraude que très grave. Ils ont pris signature ministre là, ils ont falsifié des chèques et ils ont falsifié à pas grave. C'est comment fait que chèque ça yo yo arrivé changer que moun ça yo arrivé disposer de l'argent. Donc on croit que nous mettre été branché, promettre nous que bagay ça a fait tomber sous des gros dossiers avec de gros enjeux. Même garantie nous que l'administration Moïse Lafontaine, à laquelle m'appartenu, prend engagement, et encore une fois, devant nous là, devant la population, nous prend engagement pour nous combattre toute forme de corruption et que réseau ça, tout le monde qui est impliqué ni de près ni de loin là-dedans, il y a pas de code.